Hello, c'est Clarissa sur ton écran, ça fait longtemps. Aujourd'hui, je te propose de venir avec moi dans le tri de mon dressing. Il n'y a pas que mes affaires ici, mais c'est un peu le bordel, je te montre. Donc, il va falloir trier tous ces vêtements. Là, j'en ai ici quelques-uns, et puis ici aussi quelques-uns, ici, là. Bref, c'est un peu le bordel. Et en fait, je vais participer à un bric-à-brac pour la première fois de ma vie. À la fin de la semaine, et donc je vais trier tous mes vêtements. Il y en a qui vont partir au bric-à-brac, il y en a que je vais garder évidemment. Et certains vêtements, je vais les mettre sur Vinted. Donc vous pourrez retrouver à la fin de la vidéo tous les vêtements dont je me sépare qui seront sur mon compte Vinted. Il y en a déjà quelques-uns, puisque mon compte Vinted n'est pas récent. Mais là, le but, ça va être de tout trier. Faire un bon tri définitif, ça fait longtemps que je voulais faire ça, parce que c'est un peu le bordel autour de moi. Et il faut savoir que c'est aussi dans mon dressing que je compose. Voilà, qu'il y a mon studio, mon home studio, voilà, de musique. J'écris, j'enregistre, etc. dans mon dressing. Je sais pas, pour moi c'est un lieu de création, j'aime trop cette ambiance. C'est aussi un petit espace, c'est confiné, donc pour le son, c'est pas mal. Et c'est bien quand on est artiste, on est un peu chaotique, etc. On est un peu bordélique. Moi, je suis totalement bordélique. Mais on avait aussi besoin de ranger sa tête, de ranger ses vêtements, de ranger son esprit. Et ça passe par trier ses vêtements. On va commencer. Alors, je vais vous poser quelque part. Je vous pose là. J'espère que ça ira. On va commencer alors avec. Les pantalons. Celui-là. Alors celui-là, ça c'est un pantalon vert qui est sympa. Le seul truc c'est que peut-être il est un peu trop serré pour moi. Je ne sais pas si je rentre encore dedans. Écoutez, je vais l'essayer. Je vous mets en pause, j'essaye. Voilà ce que ça donne. Bon. Bah, il est sympa, hein. Ça me fait un garrot, il est slim. Mais bon, bah, il est stretch, mais slim. Mais le truc, c'est que c'est le seul que j'ai de cette couleur-là et la couleur me plaît bien. Donc je vais peut-être le garder. Hop, je garde. Donc je fais une pile. Je garde et une pile. Je vends soit au bric-à-brac ou soit sur Vinted. Ensuite, un legging. Ça, je garde parce que j'en ai pas beaucoup. C'est le seul que j'ai, je pense. J'en ai un ou deux. Donc, ah oui, celui-là. Celui-là, je l'aime beaucoup, mais il y a un trou. Voilà, il est troué maintenant. Donc, et la couleur commence à se délaver. Alors, je crois que je vais même le jeter, en fait. Voilà, je pense que je vais le jeter. On va faire une autre pile, jeter. Hop, ici. Celui-là, bah, c'est un petit pantalon à pinces. Comme ça, un peu de costume. Ça, je garde parce que c'est le seul un des seuls que j'ai, je crois. Deuxième legging, voilà, lui je ne l'ai jamais mis en revanche. Je l'avais eu, on me l'avait offert. Une marque me l'avait offert. Je ne l'ai jamais mis. Je le garde. Ah oui, ces pantalons-là. Alors je les aime bien. Ils sont super originaux. Lui, il est vraiment cool. Mais ils sont taillés vraiment bizarre en fait. Ils sont hyper serrés au niveau des hanches. Et là, ça va. Mais ici, c'est pas confortable. Donc, quand on s'assoit, c'est vraiment. C'est un peu gênant, quoi. Mais vu qu'il est original, bah, je le garde. Ça, c'est le même principe. Même coupe. Même coupe et avec des petits. Des petits emojis, là, des petits. Un arc-en-ciel, un cœur, des fleurs. Donc, c'est sympa. J'aime bien le style un peu. Grunge. Lollipop Grunge, on va dire. Donc je garde. Parce qu'ils sont originaux. Ensuite, ça. Ça, c'est un taille haute skinny fit. Je crois qu'il me va encore. Donc je le garde. Vous êtes en train de vous dire, mais en fait, elle va tout garder. Ça sert à rien. Non, je vais peut-être me séparer des choses. Celui-là, il a une valeur sentimentale. Je l'ai depuis le collège. C'est aussi un pantalon style costard comme ça. Il me va bien. Et c'est un taille basse. Donc c'est plutôt rare comme coupe. Et j'aime bien cette coupe, donc je le garde.
Ah, le mango. Alors lui, je le mets plus du tout. C'est vraiment une couleur spéciale. Alors, à la caméra, il rend vachement jaune, mais il n'est pas jaune. Enfin, il est un peu jaune-vert. Enfin, jaune. Ouais, je sais pas. Faut que j'essaye. Voilà, ça donne ça. C'était vraiment l'époque où je mettais que des trucs moulants. Hein. J'achetais que des trucs moulants. Bah, écoutez, ça va, mais moi j'ai un problème avec les pantalons, regardez. Ils arrivent tous là, à la cheville. C'est vraiment chiant. C'est très rare, hein, que j'ai un pantalon qui recouvre mes chevilles, quoi. Il y a un problème. Je ne sais pas si quelqu'un a le même souci, mais c'est vraiment chiant, quoi. Je ne sais pas si je remettrai parce que c'est une couleur un peu difficile à porter quand même. Donc j'hésite, mais en même temps, si je le porte jamais, vaut mieux que ça aille peut-être à quelqu'un d'autre qui le portera plus souvent. Donc, je vends. Alors, est-ce que je vends sur Vinted ou au bric-à-brac? En tout cas, je vends. Dans la pile, je vends. Ah, c'est le même principe. Alors, je kiffe ce pantalon. Je l'adore. Lui, j'ai saigné par contre. Il a peut-être un peu perdu de tronche, d'épaisseur. Mais j'aime trop, donc il y a une valeur sentimentale. Donc je continuerai à le mettre. Ce pantalon gris. Ah oui. Alors ça, c'est un super skinny. Je pense que je vais le mettre sur Vinted, celui-là. Parce que il est un peu trop skinny pour moi. Un peu trop, je suis un peu trop serrée là-dedans. Mais il est grave. Pantalon rouge. Pareil, je vais le vendre. Je mets plus. Voilà, sur Vinted. Ça, pour le coup, c'est un long pantalon. Il cache mes. Hop, mes chevilles. Limite, je marche dessus. Alors, il est bien, il est stretch, mais c'est vrai que. Ça là. J'ai plus le mot. L'élastique. L'élastique, il est un peu serré à ce niveau-là. Parce qu'il se porte haut. Mais ah la vache, il est serré. Mais je l'aime trop, donc je le garde. Parce qu'il est original. Hein. Ça, c'est un jean que je mets encore. Donc voilà, un jean basique. Je le mets encore. Il est skinny aussi. C'est vraiment des choses. Quand j'achetais plein de skinny, maintenant c'est beaucoup moins. Hein. Je vois beaucoup moins de filles avec des skinny et tout. Mais c'est vraiment de l'époque des années 2010, quoi. Ça, j'adore. Ça, c'est un de mes pantalons chouchou, un pantalon mango, rayé, un peu costume et tout, avec un peu pas de def évasé au bout. Je garde, je le mets souvent. Ah yes, ça c'est un pantalon style danseuse, avec les... Sur le côté, c'est voilà, c'est ouvert là. Il y a les cuisses, on peut voir les cuisses et tout. Ça, j'adore, ça fait partie d'un ensemble. Je garde, je kiffe ce genre de pantalon. Hein. Danse moderne, jazz, tout ça. Alors ça c'est une pièce unique. Parce qu'en fait, ça vient de Syrie, de mes voyages en Syrie. On avait offert ça à ma mère. Il est hyper original, donc pour des shootings ou pour autre chose, des tournages, des clips, ça peut être sympa. Donc je garde, et puis ça a une valeur sentimentale puisque ça vient de Syrie. Ça, je le kiffe. Je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps en plus. Mais il est trop serré, je suis dégoûtée. Mais j'aime trop c'est le côté un peu grunge avant. C'est un peu. Ouais. C'est un pantalon blanc. Voilà, effiloché, etc. Bref. Ça, je vais le vendre. Parce que c'est pas à ma taille. Et je le mets sur Vinted. Bon, en fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que de toute façon. Tout ce qui sera à vendre sur Vinted, je le mettrai aussi au bric-à-brac finalement. Et puis on verra si ça se vend avant sur Vinted, bah ça se vendra avant. Et sinon, ça se vendra au bric-à-brac et puis j'enlèverai en fonction. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ensuite, ça. Alors ça, il est hyper léger. Genre, c'est comme de la soie en fait. Voilà, c'est ça. Comme de la soie. Alors, c'est original. Vraiment, c'est original, mais je sais pas dans quelle mesure. Je le mets jamais du coup. Écoutez, je vais l'essayer. Voilà ce que ça donne. Bah, il monte très haut. Je m'y attendais pas. Je
Je sais même pas si j'avais essayé. Je sais pas. Je suis pas hyper convaincue. Mais il est super agréable. On dirait qu'on porte rien même. Parce que c'est de la soie. Mais je sais pas du tout. En tout cas, j'ai maigri. Donc du coup, ça me va forcément moins. Je remplis moins. Point d'interrogation là. Point d'interrogation. Donc je sais pas. Dans le doute, je garde. Dans le doute, je garde. Mais on verra. Peut-être que dans les prochains jours, il sera sur Vinted. À voir. Ça n'exclut pas. Alors là, j'ai un dilemme avec lui. Parce que je kiffe les motifs militaires. Je sais que pour certains, c'est complètement un fashion faux pas. Mais honnêtement, moi, je kiffe. Et là, il est un peu style cargo. Le seul souci, c'est que il est un peu. En fait, il est hyper slim à ce niveau-là. Et là c'est large, donc ça fait une sensation super bizarre. On est un peu large au niveau style un peu sarouel, au niveau d'entrejambe et au niveau des mollets et chevilles, t'es sur un slim quoi. Donc c'est très chelou quand tu le portes. Mais il est stylé. Et je l'ai depuis le collège. Et je le garde. Je crois que je le garderai tout le temps. C'est un peu une pièce collector de ma vie en fait. C'est un peu comme cette pièce-là. Donc ça aussi c'est une pièce un peu collection. Enfin collection, hein. Quand je dis collection c'est collection de chez moi, hein. C'est collection dans mon cœur. C'est une pièce, c'était en voyage en Espagne que je l'ai achetée. Et franchement c'était pas cher, je me souviens. Je crois qu'il n'y avait pas de trou à la base. Hein. Ou alors un petit peu, mais j'aime trop le fait que ça soit écrit, qu'il y ait des écritures dessus. Que ça soit rock grunge comme ça. Donc je le garde. Voilà. Ça pareil, je l'ai depuis depuis le lycée celui-là. Ah. Lui c'est stretch, il fait un peu pantalon d'équitation. Et vraiment hyper agréable, hyper confortable. Le seul souci c'est que de loin bon là peut-être pas mais de loin à l'époque quand j'étais beaucoup plus bronzée. Les gens pensaient que j'étais à poil, genre quand je le portais. Ils pensaient qu'ils se retournaient deux fois parce qu'ils disaient. Je me souviens, j'arrivais à la fac et mes copines disaient, putain, j'ai cru que t'étais à poil et tout quand je portais ça. Donc voilà, mais je l'aime bien. Ça me fait penser à des souvenirs, donc je garde. Non mais je vais rien acheter à ce rythme. Ah si, celui-là. Bon, honnêtement. Je pense pas le garder. Je sais pas, je le mets jamais. Il a l'air super agréable, mais je pense pas le mettre. J'ai déjà deux leggings. Voilà. Je pense que je vais le vendre. Voilà. Je vais le vendre sur Vinted ou sur le bric-à-brac à vendre. Ensuite. Oui, bah j'ai pas trop de pantalon beige ou crème. Bon. Voilà, un petit jean, il est stretch. Je crois qu'il me va bien, vu qu'il est stretch, je garde. Ensuite, ah oui, oh là là. Pareil, lui, il me suit depuis le collège. Il est sympa aussi, c'est un peu un effet satiné noir. Ouais, je vais le garder. Ça, avec une petite paire de talons aiguilles, en vrai, c'est assez stylé. Donc, je garde. Ensuite, un jean taille haute. Je sais pas trop. Il faudrait que je réessaye. Je vais l'essayer. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait une belle silhouette. Si on met un petit crop top comme ça. De taille haute, c'est sympa. Ouais, non, franchement, il est pas trop mal. Après, j'aime bien la coupe à l'arrière aussi. Mais je mets plus. Et, je pense que je vais le vendre. Allez. Goodbye. Ciao, bello. See you. Ah, oh là là, je l'avais oublié, il était dans le fond. Bah si, mais ça c'est un legging que je kiffe trop. Je sais pas pourquoi, mais je le kiffe trop. Ça fait longtemps que je l'ai. Depuis le collège ou le lycée. Je le mettais plus. Bah tu m'étonnes, il est caché. Il est caché, il est dans le fond, je le voyais même pas. J'avais oublié son existence, quoi. Donc non, je le garde. Il est un peu chiant à mettre, mais je le garde. Ah, et ça aussi j'aime bien. J'ai un petit problème avec lui. J'adore. En vrai, j'adore. Mais j'ai un problème parce que l'élastique,
Et trop serré encore à ce niveau-là. Je sais pas, j'ai pas une taille de comme ça moi en fait. Je vais le réessayer et si vraiment c'est hyper gênant, trop serré, je le vends. Il est trop beau, j'adore. Mais qu'est-ce que tu veux? Et pour le coup, les chevilles sont cachées. Et en plus, il y a des poches. En vrai, là, je le supporte beaucoup plus qu'avant. L'élastique est serré, hein. Je vais pas mentir, hein. C'est vraiment. C'est serré, je sais pas si tu restes toute la journée comme ça, quoi. Mais je supporte beaucoup plus, donc je pensais le vendre. Finalement, je vais peut-être le garder. Je vais peut-être le mettre aussi, parce que je le mettais plus, vu que je pensais que l'élastique était vraiment hyper serré. Mais en fait, non, bah, ça va. Donc hop, je garde. Et on a fini pour les pantalons! Yes! Maintenant, petit time-lapse, je range tout ça. Voilà ce que ça donne. J'ai essayé de ranger par couleur, plus ou moins. Mais voilà, bon, c'est pas rangé à la Marie Kondo, hein, d'ailleurs, avant, je rangeais à la Marie Kondo, mais c'était très difficile, je trouve, de garder l'harmonie. Donc voilà. Cette étagère, c'est fait. Va falloir s'occuper du reste. C'est parti, on continue. Let's go, on se motive. Bon, c'est un peu long, hein. Faut prendre un après-midi pour faire tout ça. Alors, on va passer au sweat et au pull. Donc, on a ce petit sweat brunette. Bon, je le mets toujours, il dépanne. C'est encore à ma taille. Je pense le garder. Voilà. Pas que j'oublie que je suis une brunette, malgré toutes mes décolos, mes colos. Voilà, ça aussi, c'est un truc, c'est un sweat assez sympa, il est loose, il peut toujours servir. Moi, je garde. Ensuite, ce pull, je le mets aussi. En fait, il va avec le pantalon jaune, là, jaune-vert. Bon, il est sympa, donc je le garde pour l'instant. Ah oui, ça, c'est un petit débardeur maille. Il est vraiment sympa, hein, regardez. Je ne sais pas trop comment le styliser, mais j'aime trop cette pièce. Si vous avez des idées pour le styliser, pourquoi pas. Je garde. Nous avons ce pull que j'ai eu à mon anniversaire récemment. Donc, c'est un cadeau. Je garde. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Ah oui, ce petit pull. Il est sympa, c'est un pull dos nu avec un nœud à l'arrière. C'est un truc un peu mi-saison, quoi. Je le garde parce qu'il est original. C'est mon critère, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, c'est un pantalon. C'est un legging. En fait, je vous disais, j'ai très peu de legging, mais j'en ai. Mais alors. Regardez l'état du truc, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, c'est le legging un peu simili-cuir là. Ouais, oh là là, on dirait un ballon de baudruche, tu sais, tout collé là. Je suis en train de décoller un ballon de baudruche. Bon, la preuve que je le mets pas du tout en fait. Bah, ça a tenu, hein. Je le redécouvre parce qu'il était paumé. Mais pourquoi pas, j'aime bien ce truc un peu genre style simili-cuir. C'est mon côté rock'n'roll. Donc je vais le garder et puis je vais le mettre dans les pantalons. Il faut trier Clarisse. Petit rappel, Clarisse, faut que tu tries. Là, le but, c'est pas de montrer tes vêtements. Le but, c'est tu fais un tri. Ok? On se sépare ou on se sépare pas? Ok. Tiens, bah. Ça, en vrai, j'aime bien. J'aime bien le concept, etc. Mais ces manches un peu évasantes, bouffies. Je trouve ça un peu chiant les manches comme ça. C'est personnel, hein. Mais je crois que je vais m'en séparer. Et voilà. Voilà, il faut que je sois dans cet objectif-là. Je vais m'en séparer. Je vais le vendre. Voilà. Ça a fait son temps avec moi. Ah, this is my too tired to function sweatshirt. Je le mettais quand j'allais en cours à la fac. Ça, en cours en fac d'anglais. Donc les profs, ils comprenaient, c'était sûr.
Mais je le mettais, je crois que j'étais KO, je mettais ça et puis let's go, je passais le cours comme ça. Bah écoute, j'aime bien le message, il est marrant. Donc je le garde. Ça peut servir dans le monde du travail. Ce pull moutarde, il est sympa même s'il est un peu étriquant là. Il m'étriquait un peu au niveau du cou. Faut kiffer, il y en a que ça dérange pas, moi je me sens un peu enfermée. Mais je le garde, en plus c'est un cadeau que ma mère m'a fait il n'y a pas très longtemps, donc je ne peux pas m'en séparer comme ça. Ça aussi j'aime beaucoup, même si je mets plus du tout de crop top et tout, c'est assez rare. Puis j'ai du mal avec les concepts de pull, crop top, j'avoue, je comprends pas. Le pull c'est fait pour avoir chaud et puis le fait que le pull soit coupé, en fait t'as froid du ventre et... Et donc, tu sais pas dans quelle saison tu le mets en fait. Je comprends pas trop ce concept. Ça m'énerve. Les pulls courts là, ça m'énerve. Petit coup de gueule. Est-ce que vous pensez pareil ou pas? Ou est-ce que je suis seule dans mon délire là-dessus? Ah, ça aussi, mais je l'ai mis. Laisse tomber. Combien de fois? Il y a un petit nœud à l'arrière. Ici, pour attacher. Je le mets plus non plus. Est-ce que je lui laisse une chance? Je vais lui laisser une petite chance, mais il y a moyen que dans pas longtemps il se retrouve sur Vinted. Ah ça, bon ça je le kiffe. C'est une pièce originale. Donc du coup, je le garde parce que c'est original, parce que vous savez, c'est ouvert là, là, au niveau du décolleté. Et c'est sexy. Moi j'aime bien. J'ai pas trop de pull sexy, donc voilà. Ça, c'est mes dilemmes, ça. Parce que je les mets pas. Et en plus, ils me donnent froid quand je les mets. Je sais pas pourquoi. C'est le coton. Ça doit être du coton. Je sais pas pourquoi, mais ça me donne froid, le coton. Mais c'est mon père et mon frère qui m'ont offert un voyage en Angleterre. Du coup, j'ose pas m'en séparer. Je le mets pas, quoi. Bon, je pense que je vais m'en séparer. Je vais le vendre au bric-à-brac ou... Je sais pas. Je vais en parler à mon père d'abord, voir si ça lui fait trop mal au cœur. Mais je pense pas. Mais ouais, je vais m'en séparer. En tout cas, cette couleur-là, à la limite, j'en ai un gris. Je peux garder le gris et celui-là, je m'en sépare. Oh là là, j'ai des pantalons. En fait, j'ai des pantalons partout. Mais j'ai pas fini avec les pantalons. Ça, c'est un pantalon, en fait, je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'est baggy et c'est un peu style, vous voyez la danse K-pop, tout ça, machin. J'adore. Danse urbaine, street, etc. Et en fait, j'ose plus le mettre parce que bon, c'est une histoire un peu triste. Désolée, je vais péter l'ambiance. Mais j'ai perdu mon chien il n'y a pas longtemps. Et je portais ce pantalon le jour où il est décédé dans mes bras. Et sur moi en fait assis il était je le portais dans mes bras j'étais assise et j'avais ce pantalon et cette chemise je portais ça et depuis j'ose plus les porter j'avoue j'ai un blocage alors que je kiffais je venais de l'acheter et cette chemise aussi je les ai plus portées depuis la mort de mon chien. De mon flash d'amour. Et du coup, ouais. Mais je garde. Je garde. C'est sûr, je garde, mais j'ai. Je sais pas, je les ai un peu mis de côté, quoi, parce que ça me rappelle pas des bons souvenirs. Je mets ça un peu de côté. Je sais pas où, mais je vais le mettre là. Ensuite. Il y a encore un pantalon. Ben ça, c'est un de mes pantalons préf aussi maintenant. Ils sont super légers pour l'été, etc. C'est un noir plissé comme ça. Donc ça, je garde, bien sûr. Hop. Bref, allez. On revient à la normale. Donc les pulls. Ah oui, ben ça, c'est pareil. Mais en fait, j'ai tellement de vêtements depuis le collège ou le lycée, etc. Je m'en sépare pas. Ça, c'est un pull chaussette. Genre trop mignon, trop cute. Et genre, je sais pas, il est grave sexy quand tu le mets.
Je sais pas pourquoi, mais quelle est donc cette sorcellerie? Mais du coup, je le garde. Pareil. Pull court, crop top. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Mais je crois qu'à un moment donné, j'avais juste pas le choix en fait. Il y avait quasiment que ça en pull. Je le garde. Je m'en plains, mais je le garde. Ensuite, celui-là aussi, un petit crop top. Sweat. Et bah écoutez, moi j'aime bien, il fait 90s un peu. Je garde. J'ai cet énorme pull. Un peu vert jaune. Alors, quelle couleur je ne sais pas la couleur. Je ne connais pas cette couleur. Mais bon, c'est vraiment, il est épais. La couleur est originale. Donc, je garde. Ensuite, ça, j'aime trop ce col roulé orange. Je le garde. Il n'y a pas débat. Alors, ça, si c'est plutôt un truc que je mets en pyjama, ou alors, comme vous l'avez compris, à Noël. Bon, ça, c'est mon petit frère qui me l'a offert, donc je peux pas m'en séparer, même sous la contrainte. Je ne pourrais pas, sinon il me tue. Non, je déconne. Et je garde. Ensuite, alors ça, il y a encore l'étiquette. J'ai jamais mis. J'aime bien, mais je l'ai jamais mis pour autant. Mais voilà, c'est peut-être un signe si je l'ai jamais mis. Je vais le vendre. Je vais le mettre sur Vinted. Je l'ai déjà mis sur Vinted, je crois. Je l'ai déjà mis d'ailleurs sur Vinted, il me semble. Comme ce pull qui est déjà sur mon Vinted aussi, parce que je ne l'ai jamais porté non plus. Ça, vous pouvez retrouver ça sur mon Vinted. Celui-là, franchement, voilà. Je suis pas très fan. J'utilise en tant que pyjama, etc. Mais bon, je pense qu'il est temps d'essayer de s'en séparer. Je vais le vendre. Ensuite, ah bah ça je le mets tout le temps. Ça c'est un truc sûr, valeur sûre, c'est un sweat avec. Peut-être que vous m'avez vu le porter, je sais pas. C'est ouvert là et avec des petites ouvertures, enfin comment dire? Je vais vous montrer. Voilà, ça fait ça quand on le met. Voilà, sur le côté. Très grunge, rock'n'roll. Donc je garde. Ensuite, celui-là, je le garde aussi parce que c'est un petit basique sympa quand t'as rien d'autre à mettre. Nickel. Je garde. Ça, c'est un sweat que j'avais fait. C'est un sweat que j'avais fait. C'est moi qui fais le design. C'est Would you like to be my player number two? On a fait plusieurs couleurs et tout. Et vraiment, il est confortable, etc. C'est sur mon site Redbubble si vous voulez le même. J'ai pas mal de design. Là-bas. Ça fait un moment que j'y suis pas allée, mais si vous voulez le même, il est encore dispo. Je vais peut-être enlever mes designs d'ailleurs de ce site et peut-être les faire sur mon site clarissa.com qui s'affiche ici, où vous pouvez retrouver tous mes tableaux pour le moment, mais je ferai bientôt d'autres choses du style du merchandising avec mes vêtements, etc. En tout cas, il est nickel, il tient chaud, donc je garde. Et ensuite, ça aussi, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps quand je suis allée à Amsterdam. Et donc, c'est un petit souvenir d'Amsterdam. Et il est vraiment canon, très joli. Donc, je garde. Et le dernier, qui est aussi original comparé aux autres, c'est un petit sweat LA. Style un peu baseball, tout ça, avec l'épaule dénudée, mais genre juste l'épaule là. Juste là, il y a un trou. Et c'est des deux côtés. Et c'est assez sympa, donc c'est original, donc je le garde. Voilà, bah, je me suis séparée de pas mal de choses quand même, hein. En termes de pull. Hop, donc ça ira à vendre sur Vinted. Et je vais ranger mes pulls. Timelapse. Et voilà. Bon, j'essaie de plier comme je peux. Hein. Je suis pas une pro du pliage. Mais voilà, ça a déjà un peu plus de tronche là. Je suis allée me chercher un petit thé parce que je commençais à dessécher. Surtout que là, on va.
s'attaquer à un gros morceau. Donc, on va s'attaquer au t-shirt et au débardeur. Donc, c'est ces deux tiroirs-là. Là et là. Il va y avoir du boulot. Il y en a pas mal. Alors, on va commencer avec ce t-shirt Harry Potter. Bien sûr que le t-shirt Poudlard, je garde. À mon avis, je vais garder beaucoup de choses quand même, hein. Ça, c'est un t-shirt Disney. C'est Daisy Duck. Daisy Duck. Il est vraiment bien. Je l'aime bien. Je sais qu'il taille bien. Je vais le garder pour l'instant. Ça, un petit crop top. Jaune, c'est Guns N' Roses. J'ai jamais mis encore. J'ai jamais eu l'occasion encore de le mettre. Donc, je le garde. Un crop top aussi. Rose fluo, hyper original. ACDC cette fois-ci. Pareil, j'ai pas eu l'occasion trop de le mettre encore. Parce que là où j'habite, il fait pas super beau en vrai. Donc je garde. Ça aussi, c'est un crop top avec un aigle rock'n'roll. Je le garde. J'aime bien. Ensuite, ça, bah, c'est un t-shirt basique. Hein. C'est un t-shirt basique, mais quand on sait pas trop quoi mettre, ça peut sauver un peu la donne. Je vais le garder. Et je l'avais gagné, je crois, c'était quand j'avais gagné un concours de Miss. C'était sur Miss Sarthe, je crois, qu'on m'avait offert ça, je crois. Ou Miss 24 heures du Mans. Je sais plus. Donc ça a une petite valeur sentimentale aussi. Ce t-shirt. Bah, écoutez, je ne mets plus trop, mais je l'aimais bien. Je l'ai mis souvent. Mais je crois que je vais le vendre. Allez. Ça part. Ça, c'est une valeur sentimentale. Je l'ai depuis que je suis toute petite. Genre, quand j'étais enfant, de moins de 10 ans, je mettais ça. Hein. Et le pire, c'est que ça passe toujours. Avec notre mode actuel, etc. Ça passe toujours. Je peux le mettre sans problème. Et ça vient de Syrie. Et donc, ça a une grosse valeur sentimentale. Je l'ai depuis que je suis gosse. Et donc, je le garde. Ensuite, ce petit t-shirt. Lui, je pense que je vais le vendre. Il est bien, mais je pense que je vais le vendre. Il est mignon. Hop, c'est cute. Avec des petits parasols comme ça. Hop. Ensuite, ce t-shirt, il me fait rire. Trop French pour être aimable. Donc, ça me fait rire. J'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette torselerie? Ah oui, d'accord. Ok. Oui, bah, j'ai pas trop eu l'occasion de le mettre. Hein, c'est un petit débardeur. J'ai plus les mots. Mais voilà, je garde. Ça aussi, c'est sympa, c'est rock'n'roll. C'est mignon, c'est cute, c'est dentelé, c'est transparent, on garde. C'est original, voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas dit. Ah, encore un petit t-shirt Poudlard. Et là, c'est quoi? C'est un t-shirt Gryffondor. Donc Harry Potter, ça garde. Même si je ne suis pas, selon le test officiel de Harry Potter, je ne suis pas Gryffondor, je suis Serre d'Aigle. Voilà. Est-ce que vous avez fait le test vous, sur le site? Dites-moi c'est quoi votre maison en commentaire. C'est important pour moi. Ce petit débardeur, bah, je le garde. Il est mignon, il est cute. Ah, bah ça, c'est un de mes t-shirts, bref. Je kiffe ce style un peu. Je sais pas comment c'est, mais. En fait, c'est un t-shirt, mais vraiment XXL, où on peut l'utiliser en robe. Moi, j'utilise en robe aussi. Donc, j'adore. Je garde. T-shirt Porsche que j'ai. Enfin, qu'on m'a acheté. Que ma mère m'a acheté aux 24 heures du Mans. Quand j'étais Miss 24 heures du Mans 2018. Donc, je garde, évidemment. Ça, je kiffe. C'est original, bien sûr, tu l'as. Donc, ça part. Ah, alors ça, je l'ai mis beaucoup à un moment donné. C'est vrai que cet été, j'ai pas mis du tout. Mais en même temps, il n'a pas fait hyper beau cet été. Bah écoute, je le garde parce que j'aime bien ces tops-là, là. Un peu, je sais pas comment on appelle ça. Mais je les aime bien. Ah, celui-là, bah, pour le coup, lui, je le mets jamais. Écoutez, vu que je le mets jamais, je pense que je vais le vendre, celui-là. Je mets jamais, donc ça sert à rien que je le garde. Hop, ça part. Tokyo, je le mets souvent. C'est un truc que j'ai depuis le collège, c'est très
années 2000, 2000 et quelques aussi, 2010. Mais j'aime bien, donc je le garde. Ensuite, ce débardeur, je le kiffe. C'est ma mère qui l'avait offert et il est trop stylé. Donc, je le garde. Ensuite, T-shirt Friends. Attends, je crois que j'en ai deux. Non, bah l'autre, il est sur moi, je suis con. Bref, donc Friends, mais en blanc. Je garde pour l'instant. C'est vrai que je ne le mets pas souvent en blanc. Celui-là, j'ai une valeur nostalgique avec ça. Alors, on dirait de la peau de chamois. C'est trop chelou. Je vois pas beaucoup de vêtements avec ce tissu-là. Et c'est vraiment genre style peau de chamois, quoi. Mais j'adore. Ça fait Shakira, ça fait un look. Laisse tomber. Je sais pas, j'aime bien. Alors, on avait Daisy Duck tout à l'heure. Maintenant, on a Dumbo, c'est ça? C'est Dumbo en rouge. Donc, ça, c'est du petit t-shirt mouvant stretchy Disney. On garde. Petit t-shirt Nirvana. Désolée, je speed un peu. Hein. Le petit t-shirt Nirvana, on garde évidemment. Ça, je l'aime bien aussi. C'est un petit crop top qui se ferme là. Bon, il est minuscule là. Mais ouais, je garde. Ah oui, débardeur aussi échancré sur le côté. Comme ça, je garde, c'est original. Ça, c'est un t-shirt que j'aime bien aussi, avec des petits boutons. Il est mignon. Je ne me suis pas séparée de beaucoup de choses. Hein. Et ça aussi, j'aime bien ce body. C'est Love Click. Et je trouve stylé. Donc, je le garde. Ce petit débardeur Pikachu. Est-ce que vous croyez vraiment que je vais m'en séparer? Jamais. Je garde. Nous avons ce t-shirt Harry Potter. Est-ce que je suis une Potterhead? Un petit peu. Mais cette fois-ci, c'est Serre d'Aigle, donc c'est ma maison. Let's go. J'en ai retrouvé deux. Donc le petit t-shirt 80, stylé. Ça fait un peu 80s, équipe de foot à l'ancienne. Je garde. Et ça aussi, style pop art. Je garde aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses à ranger. Time lapse. Voilà. J'ai rangé les t-shirts. À peu près. Hein. C'est pas parfait, mais. Et les débardeurs. Et les t-shirts aussi. J'ai mélangé un peu parce qu'il n'y avait pas trop de place. Le but, c'est qu'on s'y retrouve. Ouh! Ah, j'ai mal au dos. Ah, on se vieillit. Oh, bordel. Maintenant, on va enchaîner avec les jupes. Écoutez, avant de passer aux jupes, j'ai retrouvé des t-shirts. Alors, il y en a certains qui sont déjà sur Vinted. Mais il y a ce t-shirt. C'était quoi? Hellfire Club, The Stranger Things. Je sais que, voilà. Ça, je le vends. Je vais pas le mettre. Ça aussi, je l'ai jamais vu, mis. Il y a toujours l'étiquette. Un t-shirt Crix. Un peu baseball université, sympa, jaune et tout. Il est à vendre sur Vinted. Et ça aussi, c'est un haut pailleté bleu et tout, super sympa aussi, qui est stretch et qui peut se mettre en robe courte, comme ça aussi. Il est à vendre. Ok, donc les jupes se trouvent là. Et donc c'est parti. Cette petite jupe style écolière, un machin truc. Et bah je garde. Celle-là aussi, je l'aime bien. Donc jupe en jean, sympa, la couleur j'aime bien, un peu souvent. Celle-là, alors celle-là je sais pas quoi en penser. Je l'aime bien, mais je ne suis pas fan de la coupe. À mon avis, je vais la vendre. Je vais la vendre. Celle-ci, ça me va bien, normalement c'est bon. Alors je ne suis pas quelqu'un qui est très jupe de base. C'est sûr que j'en ai pas. Enfin, j'avais déjà fait le tri un peu là-dessus. Ça, je garde. Alors, celle-là. C'est une jupe argentée. Pareil, on dirait que je décolle un ballon de baudruche là. Mais écoutez, moi j'aime bien parce que c'est original, la couleur, etc. Donc, je garde. Celle-là aussi, j'aime bien. Ça, par contre, pour le coup, quand j'étais à la fac, je me mettais beaucoup plus en jupe que maintenant. Et ça, je la mettais à la fac. Donc, je garde. Ça aussi, c'est une jupe qu'on m'avait offerte. Donc, je garde. C'est comme ça, ouais. Une jupe un peu portefeuille. C'est sympa. Il faudrait que je m'en remette à... que je me remette à porter des jupes. Ça aussi, j'aime bien.
C'est sympa avec une chemise blanche. Ça pourrait être stylé. Celle-là aussi, j'en mettais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, fac. Je l'aime bien. Donc, je regarde ça. C'est un short, ça. Qu'est-ce que ça fait là? Non, c'est une jupe. Ah, c'est une jupe, oui. Pardon, mais à coup pas, c'est une jupe. Alors, ben, j'ai jamais trop mise. Je sais pas trop quoi en penser. Je vais l'essayer. Voilà, ben, je sais pas dans quel sens ça se met. Je sais pas. Je sais pas, pourquoi pas. En vrai, je pense pas trop la mettre. Donc, je vais peut-être la vendre. Mais elle est bien, enfin, j'hésite. On verra. Je la mets dans le doute. Et puis si jamais je trouve personne qui l'achète, eh ben je la reprends. Let's go. Celle-là aussi, je l'aime bien. C'est une asymétrique. Courte sur le devant et puis longue à l'arrière. Donc c'est original. C'est ça on suit. Et ici, je garde aussi. C'était une. Alors attends, comme ça, elle m'a l'air un peu chelou. Mais non, c'est ça. Une petite jupe qu'on m'avait offerte. Et celle-là aussi, j'aime bien une jupe fourreau. Let's go, on va ranger tout ça. Time lapse. Voilà pour les jupes. Hop. Hey, yes, magnifique. Hop, ça fait un tiroir en moins. Et maintenant, on va passer au short. Pareil, on a déjà quelques-uns qui sont sur Vinted. Ce short-là, je garde. Ce short-là, je garde. Ensuite, ça, il paye pas de mine. Hein. Vraiment, il paye pas de mine. Mais il est super sympa porté. Donc, je garde. J'ai beaucoup de shorts aussi avec des souvenirs, quoi. À valeur émotionnelle, comme ça. Ça, je garde. Ça, c'est aussi à valeur sentimentale, donc je garde. Celui-là aussi. Celui-là aussi, celui-là aussi. C'est un petit short de bain. Mais oui, j'en ai un short de bain, en fait. Je me disais, ah, il faut que je m'achète un short de bain. Mais j'en ai un. Voilà, il est là. Ça, je le garde. Il dépanne toujours. Ah, les shorts, j'ai du mal à m'en séparer. Hein. Ah oui, bah ça. Il vous faut ça, hein. Un basique d'Omios, c'est super confortable, c'est nickel. Il faut ça dans sa garde-robe. Hop, je garde. Ça, je garde. Parce que. Bah parce que. parce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, en vrai. Ça aussi, je garde. Ah, celui-là. Alors, lui, je l'aime bien parce qu'il est original. Mais. Oui, il est peut-être un peu trop original. Il est à volant et tout. Ça fait un moment que je ne l'ai pas mis. Dans le doute, je garde. Ça aussi, je garde. Et lui aussi, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ce short rouge, je vais le réessayer. Je vais le réessayer. Et je vous dis ça de suite. Et ça, c'est un short en fait avec une cotte. Je l'aime bien. Le short rouge, je l'essaye. Quoi? En vrai, si on le défroisse un peu là. Il n'est pas si mal, hein. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire un petit nœud, etc. Je pense que je le garde. Allez, je vais le garder. Du coup, il n'y a pas trop de jupes dont je me. De shorts dont je me sépare. Mais la majorité des shorts dont je me séparais de toute manière étaient déjà mis sur Vinted. Donc, allez voir si vous voulez. J'avais déjà fait un tri. Et donc c'est parti, on va ranger tout ça. Timelapse. Voilà, les shorts sont rangés. Bon bah, hein, c'est pas parfait comme je disais, mais bon. Au moins c'est rangé et c'est trié. Hop, yes, magnifique. Voilà. Et voilà, on a rangé toute cette partie-là. Mal au dos. Là, concrètement, il nous reste les vestes et surtout les robes.
Les robes et les combinaisons. Voilà, il nous reste les robes et les combinaisons. Il faudrait que je fasse les accessoires aussi, tout ce qui est bijoux, etc. Mais je ne sais pas si je vais filmer ça. Peut-être. Les chaussures aussi. Allez, on va faire les robes. On va faire les robes, on va se chauffer pour faire les robes. Voilà, on arrive en soirée. Ça commence à manquer un peu de luminosité. Donc j'ai mis la lumière et on va commencer sur les robes. Alors j'ai déjà fait un tri au préalable parce que j'en ai quand même pas mal des robes. Et puis on va voir le reste avec vous tous ensemble. C'est parti. Alors, celle-là pour commencer. Celle-là, je la garde. Voilà, c'est une robe sympathique que j'aime bien. Elle me va toujours, donc je garde. Cette robe-là, pareil, je garde en velours. Elle est sympa. Celle-là, alors celle-là, je crois que je l'ai déjà mise sur Vinted. Voilà, celle-là, je m'en sépare parce que elle est un peu courte pour moi. La vérité, c'est qu'elle est un peu courte pour moi, c'est surtout ça. Pareil pour cette robe-là, la rouge, qui est très jolie. J'aime beaucoup, je l'ai beaucoup mise, mais elle devient un peu courte pour moi. Donc, je l'ai mise à vendre sur Vinted. Ensuite, cette robe-là, moi, j'aime bien. Elle est jolie, c'est un petit imprimé léopard bleu. Bleu, noir et jaune. Elle est originale, donc je la garde. Pareil, cette robe-là, un peu chaussette pour l'hiver. Elle est cool. Je garde. Robe jaune. Alors celle-là, je garde aussi. J'aime bien cette robe, jamais souvent. Donc voilà, pas de raison que je m'en sépare. Je la garde. Celle-ci, une violette. Elle est sympa, celle-ci aussi. Je la garde, je la mets encore. Violet, toujours le même esprit. Celle-là aussi, elle est sympa. Elle est jolie. Je la garde. Celle-là, je vais m'en séparer. C'est une robe, je l'aime beaucoup en fait. Elle est vraiment sympa, mais c'est une robe bandeau, là, bustier, voilà. Je cherchais le mot. Avec un dos nu derrière, avec un nœud et tout, c'est très mignon. Mais je mets quasiment pas de robe bustier. Je suis pas trop fan des robes bustier, donc c'est pour ça que je m'en sépare. Celle-là, je garde. C'est une robe style un peu en matière kawaii. Elle est sympa. Dans le marron aussi, marron satin un peu satiné. C'est un peu un style japonais. Elle est fendue aussi ici. Très stylée, je garde. Celle-là, je l'aime bien en fait parce qu'elle est originale, parce qu'elle est ouverte là au niveau des hanches. Il y a un espèce de trou là. Voilà, elle est sympa. Je la mets pas assez souvent, mais il faudrait que je la mette un peu plus. Je garde. Celle-ci, alors, c'est des choses que j'ai déjà mises sur Vinted. Celle-ci, je m'en sépare. Elle est sur Vinted. Vraiment très stylée. Celle-là, je l'aime bien, mais en fait, elle est plutôt serrée pour moi, très moulante, trop moulante. Je pense que c'est plus pour des gens qui font du. Ouais, c'est du XS en fait. C'est du XS. Moi, il me faut du S. XS, c'est trop serré pour moi, donc. Je l'ai quasiment jamais porté. Genre, jamais, quoi. Ouais, parce qu'elle était trop serrée. Celle-là, je garde, je pense. Ouais, elle est mignonne. Je la garde, je pense. Je vais la garder. Pas à l'abri que je la mette à vendre. Hein. Mais pour l'instant, je la garde. Celle-là, elle est vraiment stylée. En fait, c'est une combi short, mais qui fait robe. Ça, je garde aussi. Et finalement, cette robe-là. Ça, c'est un mystère. J'en sais rien du tout. Je crois que je vais la vendre. Je vais m'en séparer. Ça fait un peu rétro. 70s, etc. Elle est très jolie. Je vais peut-être m'en séparer, ouais. Je la mets à vendre. Voilà. Ça, c'était pour les robes. Ensuite, au niveau des vestes. Donc, j'ai des vestes ici. Celle-là, bah, je la garde. C'est un petit blazer que j'ai. Enfin, un boléro blazer que j'ai acheté il y a pas longtemps. Ça, bah, je garde. C'est un costume, en fait, complet. Donc, je garde ce costume complet. Très stylé, j'aime beaucoup. Je garde mon petit kimono, comme ça. Il est joli. D'ailleurs, j'ai pas une ceinture, non? Non, je crois que j'en ai pas. Ensuite, ça aussi, je vends. C'est un blazer que j'avais, alors je l'ai mis au lycée et à la fac. J'avais acheté parce que je regardais Glee et ça me faisait trop penser au blazer
des gars de l'école là, comment ils s'appellent? Des Wambler? Non, je sais plus. Avec Darren Criss, tout ça, l'école de garçons là, où Kurt y va. Kurt et Blaine là. Donc Blaine, il est originaire. Bon, bref, ça je vais la vendre, jamais plus non plus, donc bon. Et ça, je me sépare de ça aussi, de cette veste là. Parce que j'aime beaucoup, je l'ai acheté sur Asos et tout. J'ai acheté en mode ouais, 70s, 90s et tout, comme à l'époque, nos darons et tout. C'est exactement ce style-là, mais je la mets jamais. Voilà, j'aime bien, mais je la mets jamais. Elle est stylée en fait quand je la vois. Non, vous trouvez pas? C'est sympa, hein? Pour un shooting et tout. J'ai pas eu l'occasion de shooter avec, donc bon. Voilà. Je vais la mettre à vendre puisque je la mets pas. Donc, je vais mettre tout ça sur important. Et on va passer au combi. J'ai une montagne de combinaisons. Hop. Je les mets là. Alors, c'est parti pour les combis. Ça va être compliqué, ça. Alors, celle-là. Ça, celle-là, elle me pose un dilemme. Parce que je l'aime bien. J'aime bien la coupe. Mais j'ai pas l'impression que ça va bien avec mon teint. Déjà d'une. Et jamais, jamais. Je pense que je vais faire, c'est que je vais la vendre. Tant pis. Ça me fend le cœur, mais je vais la vendre. Celle-là, je la garde. Je l'aime bien. Elle me va toujours. C'est bon. Celle-là, c'est une combi pantalon. Comme ça, un peu loose et tout. Je l'aime bien. En vrai, je la mets tout le temps. Je la mets tout le temps, donc je la garde. Celle-là, j'adore. Combi pantalon assez ajouré. Ici, un peu transparent. Et puis, non, très stylé. J'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ça aussi, c'est sympa. Elle est mignonne. L'été, à la plage. Je garde. Celle-là aussi, elle est pas trop mal. Celle-là, je garde. Celle-là, je l'adore. Ça fait depuis le collège que je l'ai. Je l'adore, je la garde. On a deux fois les mêmes. Je les avais achetées en double sans faire exprès. C'est la même. C'est une combi plage. Ou pas d'ailleurs. Une combi été comme ça. En short. Combi short. Très fluide et tout. Donc hop, il y en a une que je garde et l'autre, c'est la même. Je vends. Et pour finir, combi pantalon. C'est peut-être le seul truc bandeau que je mets. Bustier un peu, une combi bustier comme ça que je garde parce que je l'aime bien. Voilà pour les combis. On va marquer une petite pause pour aujourd'hui parce qu'il est bientôt l'heure d'aller faire dodo et que j'en ai plein le dos. Donc j'ai fait un tri au préalable des sacs qui me restaient et que j'ai trouvé. Enfin, j'ai fait un tri, je les ai sortis, les accessoires aussi. Et donc on va trier tout ça. J'ai retrouvé des vêtements. Entre-temps, je vous montre la pile. J'ai retrouvé tout ça de vêtements, donc il me reste ça aussi à trier. Donc il y aura sûrement des vêtements que je n'ai pas présentés en vidéo qui seront sur Vinted ou en vente à la brocante. Et donc on va continuer avec les accessoires. Et donc bijoux, sacs. Donc on va commencer par les sacs. J'ai ce petit sac. Ça, je le garde, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je trouve original, donc je garde ça. Alors ça, c'était mon sac à main pendant un moment. Mais écoutez, je vais voir si il est encore en bon état. Il a l'air un peu abîmé sur certains endroits. Hein. À voir si je peux lui redonner un peu une vie. Là, ça a l'air d'être un peu dur. Je vais m'en séparer, je pense. Je vais voir. Je nettoie et si j'arrive à lui redonner une seconde vie, bah je le mets à vendre, mais ou sinon je le jette. Ensuite, le sac Barcelone. Ah, j'ai tellement kiffé ce sac, j'ai beaucoup mis. Il y a ma petite tour Eiffel dessus en plus que j'avais mis. Je sais pas, il est abîmé à certains endroits. Est-ce que je peux en retirer quelque chose? Je sais pas, mais j'aime beaucoup. Je vais voir s'il ferme bien, etc. Ouais, il ferme nickel. Hein. Mais écoutez, peut-être qu'il sera à vendre. Je sais pas. Si j'arrive à le nettoyer tout ça, pourquoi pas.
je mets dans le à nettoyer. Et j'ai beaucoup de vieilleries dans les sacs. Ça, c'était mon sac à dos de cours. J'ai fait tout mon lycée avec. Et bah pourquoi pas le mettre à vendre. Si vous voulez avoir les super notes, c'est ça. C'est ce sac là. J'ai eu mention bien, bac scientifique, mention européenne, grâce à ce sac là. Donc peut-être le vendre, pourquoi pas. À voir, si j'arrive à me détacher de mes souvenirs que j'ai avec. Mais très bon sac. Je vais le nettoyer aussi. Mais peut-être à vendre, ouais. Alors lui, bah, c'est un sac à main. Ouais, il n'est pas vendable, hein. Regardez. Il est abîmé. À certains endroits comme ça. Ouais, non. Non, lui, je vais le jeter. Je vais le jeter, je pense qu'il n'est pas récupérable. Hop, à jeter. Ça. Bah écoutez, ça, il est nickel. En vrai, je ne l'ai jamais mis. Et peut-être que je vais m'en servir, tiens. Peut-être que ça va devenir mon sac à main. C'est un peu un sac à l'ancienne. C'est très ancien comme concept, mais ça revient un peu ça, cette forme. J'en cherchais un justement avec cette forme de sac à main. Peut-être que je vais m'en servir, tiens. Écoutez, lui, je le garde. Mon sac Berlin, alors là. Lui, du coup, j'ai fait toute ma troisième avec. Ça, ça a une valeur sentimentale. J'ai acheté en Allemagne. C'est un peu comme un souvenir de voyage, donc je vais le garder. Pareil. Est-ce que lui, je l'ai acheté en Angleterre? Je sais plus. Non, je crois pas. Je l'ai peut-être pas acheté en Angleterre. Mais ça, j'ai fait aussi mon collège, non? Un peu plus que ça, même. Je crois que j'étais à la fac avec. J'ai fait une fac d'anglais, donc... no comment. Je crois que la fermeture est pétée. Donc, à voir. Mais je pense pas le vendre parce qu'il est abîmé à certains endroits là. Il a un peu vieilli quand même. En plus, si la fermeture ne marche pas, ouais, je crois qu'il n'y a pas de fermeture. Donc je pense que je vais le jeter. Maintenant, on va passer aux accessoires. Heureux. Alors ça, c'est pas un accessoire, mais c'est un haut. Il faut que je retrouve comment on le met. Et je mettrai peut-être à vendre. J'en ai un autre aussi, un autre motif, mais je mets à vendre. Ça, ce gilet, je le mets à vendre aussi. Un truc un peu piou-piou comme ça. Donc je vais le mettre à vendre parce que je le mets pas trop. Ça aussi. Alors, c'est pas du tout les accessoires là, mais je vous montre un peu ce que j'ai retrouvé et que je vais mettre à vendre. C'est un haut que j'ai beaucoup mis à la fac et tout. Même en tant que prof, quand j'enseignais. Mais je le mets plus trop, donc je vais le vendre. Ces gants, je les ai eus en cadeau il n'y a pas très longtemps. Je vais garder ce bandana. Moi, je kiffe les bandanas, donc je garde les cravates. Voilà, moi, j'étais punk rock, hein, vous. Comme vous pouvez le voir, au lycée, enfin, surtout au collège. Au collège, j'ai acheté ça. Vu que je refais quelquefois des petits looks un peu rock et tout, je vais garder ça. Pareil, la cravate rouge à la Green Day, à la Billie Joe. C'est comme ça qu'il s'appelle, Billie Joe? Je sais plus. Pareil, la cravate piano, c'est original, donc je garde. Ça, je sais pas si c'est pour les chevilles ou pour les avant-bras. Je pense que c'est pour les chevilles, quoique. Les avant-bras, mais en fait, ça fait un style. Hein. J'ai l'impression d'être dans un animé. Et... ouais, ben écoutez, juste parce que ça fait stylé, que ce soit sur les chevilles ou dans les avant-bras, je garde. On sait jamais. On ne sait jamais quel look je vais être amenée à porter un jour. Donc, autant garder des fois. Ensuite, cette ceinture. Ah, la ceinture tête de mort, comme ça. À l'ancienne. Bah, écoutez. C'est grave. Hein. En fait, je pensais que j'allais me débarrasser de tout ça, mais je crois que je ne vais pas m'en débarrasser. Je garde... au cas où il y a des looks... ah ça, je kiffe par contre. Ça, je les ai achetés il n'y a pas hyper longtemps. Il est où le deuxième? Il est là. C'est les gants. Les longs gants, là. Comme ça. Là. Voilà. Comme ça. Ça, j'adore. Bon, normalement, c'est en satin et tout. Mais là, je les ai trouvés en pilou-pilou.
Donc pareil, pour un shooting, photo, pour un clip, je ne sais quoi, ou même pour la vie de tous les jours, je garde ça. Bon, c'est des... Je pense même pas que c'est vendable, c'est tout emmêlé. Mais c'est, vous savez, c'était la mode des grosses ceintures, très originales, etc. J'avais acheté ça, mais en vrai, oh là là. Oh bah non, bah elle est abîmée en plus. Elle est abîmée. Ouais, donc non, je jette. Ça, bah ça va avec mon kimono. Je savais bien que j'avais une ceinture avec mon kimono. Je l'ai retrouvée. Hop. Et ça, c'est mes ceintures que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps. Donc, des ceintures normales. Donc, je garde. Voilà. On arrive aux bijoux. Et là, ça va pas être facile à faire. Donc, on va regarder ça. Alors, c'est parti. On a une première boîte. Alors, j'ai beaucoup de choses. Voilà, c'est des souvenirs. Ça, on me l'a offert. Ça, il y a mon petit signe astro ici. Donc, du coup, j'ai envie de le garder. Donc, des cadeaux, des cadeaux. Ça, j'aime bien. C'est des tours de cou épais, style ruban. Donc, ça, j'aime trop ce genre de bijoux. Enfin, ce genre de collier. Ça, c'est très ancien. Je pense pas le mettre et je crois que je l'ai jamais mis. Donc, ça, c'est vraiment à l'ancien, à l'ancienne. Hein, si tu veux faire un cosplay de quand on était ado dans les années 2000 et quelques, 2010, let's go. Hein. Bon, allez, je vais le vendre celui-là. Ce genre de collier aussi, c'était assez répandu. Je pense pas m'en servir, donc je vais le mettre à vendre. Hop, c'est un espèce de diadème pour cheveux. Je garde si jamais il y a des shootings photos à faire intéressants. Ça, j'aime bien ce collier. C'était mon collier fétiche à un moment donné. Sachant que je mets pas vraiment beaucoup de bijoux. Hein. Mais je le garde. Bon, c'est des breloques hein, essentiellement. Hein, mais j'ai pas de bijoux de valeur ou quoi que ce soit. Donc on a trouvé deux colliers quand même. La suite. Voilà, donc c'est le bordel. J'ai énormément d'accessoires de quand j'étais petite. Ça, je sais pas d'où ça vient. Donc c'est Battlefield. Je crois. Bah écoute, je vais mettre à vendre. On sait jamais. Ça aussi, c'est des boucles d'oreilles très sympas. En fait, là, la plupart des choses viennent de Syrie, ici. Donc, ça a une grosse valeur sentimentale pour moi. Ça, je sais pas, à voir. Je mets de côté. Ça, c'est quand j'étais petite. Des petites barrettes Barbie, je garde. Ça, c'était mon collier fétiche quand j'étais au collège. Rock. Oh, il est où? Et bah, c'est là. Rock. Je le kiffe. Donc, je garde. Il est accompagné d'un petit. C'est compliqué à une main. Ça, je sais pas d'où ça vient. Je peux essayer de le vendre. Pourquoi pas. Alors, il y avait tous ces trucs de bracelets comme ça, de couleurs, avec des petits grelots. Ça vient de Syrie et je les kiffe. Donc, je pourrais même les remettre maintenant. Donc, je garde. Hop. Ça, c'était mes premiers bracelets. On faisait tout ça quand on était petit. Maintenant, c'est à la mode. Bon, je l'ai fait, mais avec des trucs qui ne veulent rien dire. Donc, je garde. Ça doit venir de Yves Rocher. Les colliers Yves Rocher à l'époque, là. Là, je vais voir, je vais les vendre. J'appelais, je garde. Ça. Bah, c'est des colliers que je faisais quand j'étais très petite aussi. Donc, je garde. Ça, par contre, ça a une valeur. C'est un cadeau. Ça vient de Syrie aussi. Ça, c'est aussi un cadeau qu'on m'avait fait de Syrie. Donc, je garde. Ça, pareil, c'est des colliers de quand on est un gamin. Mais en vrai, ça pourrait le faire hein, sur certaines tenues. Ça, je sais pas d'où ça vient. Hein. Je vais sûrement m'en séparer, je le mets pas. Ça aussi. Ça. Je vais voir si je peux m'en séparer. Love you. Ça me dit rien. Je connais pas. Deux petits bracelets argentés. Hop. Oui, ça, je me souviens bien de ce collier-là. Je vais voir. Je pense que je vais m'en séparer. Et ça, par contre, en revanche, je l'aime bien. Il est toujours en vie. Donc, je le garde. Ça, en vrai, je le mets pas dans mes cheveux. Hein. Je vais voir ce que ça donne, mais je mets peut-être à vendre.
Ça, bah, ça doit être un souvenir d'un baptême, une communion, je sais pas. Et ça, je garde aussi parce que c'est un cadeau, je crois. Voilà. Ça, alors, j'étais la spécialiste de fleurs dans les cheveux, moi, faut savoir. Ça, je kiffe, ça, je le mettais tout le temps au collège. Ça, je l'ai mis souvent. Souvent, même au collège et même au lycée, je l'ai mis. Ça, je l'avais acheté à la Japan Expo. J'ai pas mis souvent d'ailleurs, mais je garde parce que c'est original, bien sûr. Ça, je vais peut-être m'en débarrasser. Voilà, je vais m'en séparer, pardon. Ça, je garde, j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. Ça, je vais peut-être m'en séparer. Je l'ai pas trop mis. J'ai acheté, je sais, mais je l'ai pas mis souvent. Je vais peut-être m'en séparer. Alors là, on est sur des choses un peu plus récentes. Ça, je garde. Ça aussi, je garde. Bon, ça, c'est plutôt ancien, hein. J'ai ce bracelet. Ouais, pourquoi pas. On ne sait jamais. J'ai l'impression que le fil est en train de se détendre. J'ai cette paire de lunettes là. Je garde. C'est une de mes chouchous. D'ailleurs, il y a celle-là aussi que j'ai achetée et que j'ai toujours avec des papillons là. Sur les côtés. Un peu à la chanteuse Anastasia, là. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à elle. Et je les ai toujours pas mises. Mais faut que j'y mette. Ça, je garde. Ça peut toujours faire sympa sur une tenue. Ça, c'était plein de lots, bah, justement, de bracelets et brochets à la base, je crois. Et je l'ai depuis que je suis petite. Des petits bracelets perlés comme ça, ils sont grave à la mode maintenant. Il faudrait que je les mette. Donc, je garde. Ça, je garde aussi. Ça peut toujours être sympa comme accessoire. Ensuite, j'ai un serre-tête comme ça. D'ailleurs, je l'ai dans le clip Wasting My Time. Je ne sais pas si vous avez la ref. Ça, ce sont des lunettes que je mets jamais. Il faudrait que je vois si elles sont sympas ou pas. Mais je vais peut-être m'en séparer. Je les mets de côté. Je ne sais pas. Et pour finir, ensuite, c'est énormément. Donc là, j'ai une bague en feutrine. Ça, je me souviens, c'est une copine du collège qui me l'a offerte. Et énormément de petits bracelets comme ça qu'on faisait quand on était petite. Des cadeaux des copines ou des cadeaux que je faisais aux copines et on se les échangeait comme ça. Ils sont trop beaux. Voilà, dans les années début 2000, on faisait ça et ça revient à la mode. Donc, en fait, ils sont trop trop beaux. Je vais les porter, carrément. Carrément, il y en a plein. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on n'était pas trop créative? Ah ouais, ça vous dit un truc, c'est ce genre de bracelet-là aussi? On faisait beaucoup ces bracelets-là. Mais ils sont trop beaux, j'adore. Des petites boucles d'oreilles aussi. Donc ça, évidemment, je garde. Voilà. On va passer aux vestes et aux manteaux. J'ai trouvé quelques petits trucs qui pourraient vous aller, dont je peux me débarrasser. Il y a cette veste qui m'a suivi longtemps. Voilà, elle est toujours en bon état. C'est une veste cintrée. D'ailleurs, ça me donne envie de la garder, elle est jolie. Elle m'a suivi longtemps, ouais, tout le collège, lycée. Tout le lycée, je crois. Donc voilà, je vais m'en séparer. Hop. J'ai déjà fait un tri au préalable. Celle-là, en revanche, je vais garder. C'est mon blazer, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Alors, je sais pas où il était tout ce temps, mais ouais. Je l'ai retrouvé, donc je garde. Hop, ça va ici. Et finalement, je vais me débarrasser de cette veste que j'ai achetée suite à la fac. Elle m'a servi longtemps. Elle est très jolie, j'aime bien. J'adore la capuche, comment la capuche tombe. Voilà. C'est une belle silhouette. Celle-là, je m'en sépare parce que. Et elle est bien, elle est chaude et tout. Elle est vraiment bien. Et enfin, pour finir, j'ai fait un tri préalable des chaussures. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer celles que j'ai sélectionnées déjà pour partir en fait. Voilà. Donc, j'ai ces petits talons. Ceci. Des chaussures noires, vernies. Je vais les mettre à vendre sur Vinted et aussi en brocante. On a ces talons compensés que je mets plus. Pareil, hop, avec des petites fleurs. Ils sont sympas, on est très confortable là-dedans, mais je mets plus du tout de talons tampons.
Il y a aussi donc c'est des ballerines, vous savez, avec les lacets qui remontent au niveau des chevilles là. Voilà, faut les attacher à ce niveau-là. Donc voilà, des ballerines dorées. Ensuite, ces talons-là que je kiffe, ils sont très originaux. On dirait un petit smoking, voilà, veste sur jean. Et voilà, je les ai quasiment jamais mis. Mais voilà, je les aime beaucoup. Mais je vais m'en séparer. Il faut que je fasse de la place. Ouh, terminé. Terminé, terminé, terminé. Qu'est-ce que c'était fatigant. En tout cas, j'espère que ce petit tri de mon dressing et de toutes mes affaires vestimentaires et accessoires, etc., vous aura plu. Alors, mon dressing Vinted, c'est clarissa.r. Je vous mets le lien dans la description. Je vous affiche le profil juste ici. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à suivre, je mets régulièrement des choses. Et vous allez retrouver tout ce dont je me suis séparée aujourd'hui dans cette vidéo sur mon dressing Vinted. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a peut-être des choses qui partiront entre-temps en brocante, donc je mettrai à jour. J'espère que vous avez passé un bon temps, que vous avez bu votre petit thé, vous avez pris votre goûter, vous avez passé votre soirée devant la vidéo. Ou pas. Je vais pouvoir du coup composer peut-être un peu mieux, être un peu plus productif dans un environnement un peu mieux rangé, beaucoup moins encombré. Donc on se retrouve vite avec des nouvelles musiques, des nouveaux tableaux aussi. N'hésitez pas à passer sur mon site clarissa.com. Vous pouvez retrouver tous mes tableaux et mes dessins sur mon site clarissa.com. Donc n'hésitez pas à y faire un tour aussi si vous êtes amateur d'art. Je fais aussi des commandes, donc n'hésitez pas à me passer commande. Donc je fais des commandes personnalisées selon toutes vos envies, dans la mesure du réalisable. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Je suis très active sur Instagram, c'est clarissa.r. Sur Insta, n'hésitez pas à me retrouver ici. Et surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes nombreux à me regarder, mais vous n'êtes pas forcément abonnés. Et j'aimerais bien dépasser le palier des 1000 abonnés, s'il vous plaît. Ce serait trop cool. Donc voilà, merci énormément à vous de me regarder. Merci d'avance si vous allez voir tous les liens dont je vous ai parlé. Je vous fais des gros bisous, à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!